Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on vlog à l'inverse. Là je pars du Playel. Mais alors où vais-je? J'ai fini de m'entraîner et de donner cours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre mon pote Flo à une salle d'escalade. Parce qu'aujourd'hui je vais m'essayer à l'escalade. Ça va être laborieux comme on dit, je pense. Bref, c'est parti pour se taper les 1 heure de métro pour aller jusqu'à la salle. Et on se retrouve là-bas. A tout de suite. Waouh, j'ai l'impression que le métro il est beaucoup plus rapide pour vous que pour moi. Ce qui est super cool, c'est que j'ai jamais fait d'escalade de ma vie, que ça fait plusieurs mois que j'ai envie d'essayer. Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer avec vous. Ça vous fait découvrir à vous aussi. Puis bon, c'est cool aussi de me voir en dehors de ma zone de confort. Parce que l'air de rien, toutes les vidéos que je fais, bah c'est du trick. Et du coup bah je suis super à l'aise et vous me voyez dans ma zone de confort, dans un sport où je suis à l'aise, où ça fait longtemps que j'en fais. Là je trouvais ça vraiment marrant que vous me voyez dans une situation où je galère et donc où j'essaye un nouveau sport. Voilà, dans 2 minutes à peu près je suis arrivé dans la salle d'escalade, donc bah je sais pas trop comment ça va se passer, on va voir ce que ça va donner. Comment tu vas? A few moments later. Ok, du coup on vient d'arriver dans la salle d'escalade, on est rentré, on est avec Monsieur Flo, escaladiste aguerri. Je fais de la varap depuis depuis un sacré bout de temps. Et du coup il va nous faire un tuto de comment ça fonctionne. Alors Flo, explique nous c'est quoi l'escalade. Le but du jeu c'est de se déplacer sur la paroi, en général on va en haut. Ici on est en salle, du coup le but du jeu c'est d'arriver sur la dernière prise qui correspond à la couleur qu'on est en train de monter. C'est vrai que t'as une couleur par ligne. Jaune c'est plus facile, après t'as c'est pour moi. Après t'as bleu. Bleu, après, bleu c'est t'as dur. Rouge, après t'as noir et après t'as violet. Ok. Parce qu'en général quand on débute on commence par jaune. Ok, très bien. Bah du coup je vais faire plein de pistes jaunes aujourd'hui, ça va être trop bien. Merci pour une fausse première ligne parce que j'ai déjà essayé hors caméra parce que je suis un tricheur. Tiens attends, si je fais ça, tu vois. Ah. Zoom bien sur mes fesses. D'accord. C'est bon, t'as gagné. Oui. Là c'est le moment, je pense, comme il faut, comme ça. C'est ça. Et ben non. Bon, maintenant, démonstration de l'expert. Ninja. Bon bah c'est parti pour une deuxième jaune, elle m'a l'air plus dure. Est-ce que parce que je suis une tapette un peu, non? Bon déjà là, je sens archi mal. Bah, c'est normal. En plus je remets ma question. Vous êtes un youtubeur? Lui c'est un youtubeur. Vous? Ouais, vous, dis bonjour. 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 Vous êtes le caméraman. Cours. Ouais, ouais, vas-y, c'est bon, t'es en haut. Moi je suis caméraman professionnel, trader caméraman. Il a combien d'abonnés? Il en a un milliard. Non mais sérieusement il en a... Plein d'abonnés, abonnez-vous encore plus d'ailleurs. Bon du coup ils veulent voir un salto arrière, comme vous le savez moi je suis très prudent avec ma cheville, du coup c'est Flo qui s'y colle. J'espère avoir le meilleur salto arrière de l'histoire. Ouais. Non, moi, je vais vous faire mal, oui, c'est sûr, et comme à chaque fois je vais pas super mal. Allez, les deux, non. Ça c'est pas bien les enfants, vous avez vu? On commence les deux mains sur la prise, il y a deux scotch. Recommence Mathieu. Pardon. Vas-y. Ouais, ça gars. Po. Vas-y, contracte un peu le biceps. Monte le biceps. Oh. Yes. Il a gagné. T'as les gars, regardez ce qu'on vient de déclencher en leur montrant un salto. J'ai refait. Refait. Mais c'est pas mal du tout. Un vrai truc. Bah Louis m'a fixé un challenge, explique-moi Louis, qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Ok. Je suis quasiment sûr que je vais pas y arriver, mais bon, on va voir. La fumée. Vas-y, fume là. Voilà, c'est bon. Le bourrin. Que ça bourrine. On
bah, ça fait plusieurs fois que j'arrive à faire les prises jaunes, qui sont donc les plus faciles. Du coup, on va essayer une piste verte, voir ce que ça donne. Comment on fait la verre. Voilà. Yes. Bon bah c'est comme ça qu'on fait, merci. Super. On fait de l'escalade, c'est bien joli, mais bon, petit webster quand même. Hein, Flo? Voilà. Yo les potos, du coup on est le lendemain et je vous tourne l'outro. C'était franchement super cool de commencer un nouveau sport. Ça fait longtemps que j'avais pas commencé un sport ou testé un sport. Et du coup bah c'est drôle de voir que comme quoi on s'entraîne tous les jours dans un certain sport. Et du coup bah on n'est pas mauvais dans ce sport là et on a grave ses repères. Et comme on peut passer à un autre sport et avoir plus aucun repère. Donc vous avez vu la ligne verte, j'ai grave galéré à la faire alors que c'est juste le niveau juste au-dessus de débutant. Et voilà, j'arrivais pas à faire le transfert. En plus ça forçait sur ma cheville droite, donc à cause de ma blessure j'étais un peu frileux aussi je pense. Mais voilà, l'air de rien, ça m'a grave motivé, ça m'a donné envie de faire plus souvent de l'escalade. Donc d'ailleurs, je pense que bah, je vais m'y mettre régulièrement, moi, dans mon coin. Aussi, je voulais dire un gros merci à Flo bah, de m'avoir emmené faire de l'escalade avec lui, parce que franchement, c'était super cool. Puis lui, il a vraiment un bon niveau, même si on voit pas beaucoup dans la vidéo, parce qu'en plus, moi, je sais pas très bien filmer de l'escalade, donc je peux pas vraiment bien le mettre en valeur aussi. En tout cas, c'est super gentil à lui d'avoir pris le temps de faire avec moi et tout, c'était vraiment cool. Et d'ailleurs, si vous voulez aller checker son Instagram, parce que Flo, il fait aussi du tricks, d'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, il a vraiment un bon niveau, donc je vous mettrai le Instagram dans la description si vous avez envie d'aller checker à quoi ça ressemble. Pour ma part, ça m'a vraiment motivé, je pense que d'ailleurs, je vais me mettre à faire de l'escalade régulièrement, parce que c'est vraiment cool. J'ai eu aussi les résultats pour ma cheville droite et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sortira la semaine prochaine. En tout cas les potes, j'espère que vous avez passé un super bon moment en regardant cette vidéo. Moi en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire, c'était vraiment sympa d'essayer un nouveau sport et de sortir un peu de ma zone de confort. Et puis voilà, c'est toujours drôle de partir de zéro dans quelque chose. Si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les frérots, peace.